Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, format vlog. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je suis parti ce matin à 9h, là je fais une pause déjeuner, on s'est arrêté sur une heure d'autoroute. On est tout simplement en direction de Marseille, donc il est jeudi. On est parti ce matin à 9h comme je vous l'indiquais, donc on a pas mal de routes. Pourquoi on va sur Marseille? Et bien tout simplement parce que samedi, donc après-demain, je vais réaliser un séminaire en présentiel avec différents intervenants. Un séminaire qui est réservé aux membres de ma formation. C'est un séminaire que j'organise entre une et deux fois par an. Donc là, on est en direction de Marseille. Ça aura lieu samedi. Donc pas mal de personnes se sont inscrites. Et c'est un moment justement qui me permet de partager, de réseauter donc avec vous sur cette journée spéciale. Puis c'est aussi un moment où on aborde différents sujets. Différents sujets, bien évidemment, que je n'aborde pas sur YouTube ou que je n'aborde pas, bien évidemment, dans le cadre de mes formations. On est vraiment là pour monter le niveau. Et puis aussi pour répondre à toutes les interrogations que peuvent avoir les membres de ma formation. Donc l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement de vous emmener avec moi, de vous partager les coulisses. Donc, vous allez partager 5 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, puisqu'on va rentrer lundi. Et lundi, on va faire un stop sur Dijon, puisque je suis invité pour faire une présentation sur un séminaire qui est organisé par une franchise de conciergerie. Allez, je vous emmène avec moi, vous allez partager tout simplement les coulisses de cet événement, du moins de ces deux événements. Allez, on y va. Allez, me voici arrivé, donc je te présente très rapidement la chambre. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent une suite. Ok, je prends très rapidement. Voilà, la petite table, le petit coin salon, la vue mer. Voilà, ensuite la chambre. Hop. Et puis la salle de bain, juste ici. Hop, je passe la lumière. Je vais peut-être pas dû mettre la carte. Voilà, bon, la salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Voilà, donc là du coup, je vais. Donc il est très exactement 19h16. Donc on aura mis au total quasiment 10 heures, puisqu'il a fallu compter les temps de pause. Nous sommes bien arrivés, un peu fatigués, je ne te cache pas, parce que 10 heures de voiture, ça fait un petit peu long quand même. Et puis là, on va tout simplement sortir un petit peu, se désaltérer, et puis on va enchaîner sur...
On se retrouve dans cette vidéo. Donc là, du coup, ce matin, on a passé un petit peu de temps. On est vendredi, on a passé un petit peu de temps. On a visité un petit peu, on s'est baladé. Donc notamment Notre-Dame de la Garde, avec un très beau point de vue sur Marseille. Aujourd'hui, le temps est plutôt sympa. Les températures ne sont pas trop élevées. Je crois qu'il doit faire quelque chose comme 25, 26 ou 27 degrés. Donc ça va, tu vois, c'est globalement acceptable. Là, du coup, on en profite. Il y a un petit terrain de pétanque. On manque pas la tradition marseillaise, donc voilà, petit terrain de pétanque que tu dois voir juste ici. Voilà, et puis moi je vais en profiter cet après-midi pour terminer mes slides pour demain. Ce matin, j'ai aussi fait une séance d'1h30 avec les équipes de développement sur la V2 de Guest Lucky. Donc on a encore beaucoup de choses en cours de développement, bien évidemment, puisque une application c'est en perpétuel développement. Mais là, on veut vraiment arriver à une version qui est globalement stable et qui résout, on va dire, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre conciergerie. D'ailleurs, demain, je vais en profiter pour la présenter, cette application, cette V2. Il y a un an, je me rappelle, j'avais présenté la V1 sur mon séminaire du Mans. Et là, du coup, on est à Marseille et je présente la V2, donc il s'est déjà écoulé un an. Là, la V2, c'est quand même beaucoup plus abouti. On répond beaucoup plus à plein de problématiques qu'on peut rencontrer quand on gère une société de location courte durée, hein. Donc ça peut être conciergerie, ça peut être sous-location, ça peut être aussi des investisseurs IMO qui ont un parc immobilier d'appartements et qui ont leur propre équipe pour gérer le ménage, la blanchisserie, etc., etc. À mon sens, de toute manière, cet outil, pour moi aujourd'hui, il est indispensable parce que je vais animer aussi une autre partie demain pendant le séminaire. C'est quelque chose qu'on me réclame assez souvent, c'est comment on peut voyager. Comment on peut vivre à l'autre bout du monde et avoir sa société qui tourne en France, ou l'inverse, hein, vivre en France et avoir sa société qui tourne à l'étranger. Donc justement, je vais aborder tout ça d'un matin. Et pour moi, ce qui est un des piliers de la réussite, c'est justement avoir ce type de logiciel où tout le monde est connecté dessus, aussi bien les propriétaires que les équipes de ménage, que les techniciens, que le manager, que toi en tant que directeur de la conciergerie ou de ta société, pour pouvoir mesurer ce qui se passe et pour pouvoir avoir des retours d'informations pour prendre justement des actions. Donc demain, je vais vraiment dédier toute une partie du séminaire où on va justement aborder ce sujet-là précisément, parce que je sais que ça fait partie des interrogations des personnes qui suivent notamment mes programmes de formation. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Et puis écoute, on se retrouve dans la suite de cette vidéo. C'est jour J, on est samedi, il est 7h. Il est 7h, tout simplement 7h. Voilà, c'est un petit peu difficile ce matin. Et là, je me dirige en direction, tout simplement du rez-de-chaussée pour prendre un petit déjeuner. Et puis ensuite, on va se préparer et je vous emmène avec moi. Chambre d'hôtel, je viens de terminer de prendre ma douche, il est 8h, donc là je vais me dépêcher de me préparer et puis on va se retrouver dans la salle. Je vais te présenter ça dans quelques instants et je voulais aussi te présenter, je vais te faire ce matin, voilà, donc la petite tenue, ça va être ça. Alors je te fais voir, je pose le micro. Puis le petit pantalon, voilà, donc du coup ça devrait plutôt bien. Et c'est costume réalisé en Thaïlande sur mesure. Donc voilà, donc du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants directement dans la salle. Allez, on se retrouve donc dans la salle. Donc là, je suis en train. Il est 8h30. Les participants vont pas tarder à arriver.
Et là, je suis en train de préparer l'informatique, l'ordinateur, la présentation. Et puis, j'ai Camille qui va arriver dans quelques instants, qui va préparer la caméra pour filmer cet événement. Voilà, donc tout est prêt. On a aussi les petits... tout est organisé. Ils seront le petit calepin, de quoi écrire, de quoi boire. Voilà, petite bouteille d'eau. Tout est OK. Tout est OK pour passer une excellente journée. Et ça va se passer juste ici. Voilà. En fait, ne sachant pas trop vers quoi j'allais, je me suis dit, tu sais quoi, code comme un malade, lance le truc et puis tu verras. Tu verras derrière ce qui va se passer et tout. Donc, j'ai fait une présentation la dernière au Mans de la V1. Donc, il y a eu, je ne sais plus combien de personnes qui sont rentrées dans l'application. Et là, je me suis dit, ça prend vraiment une ampleur que j'imaginais pas. Et là, je me suis dit, je peux pas rester sur cette V1. Il faut absolument que je lance une V2 pour que ça puisse être quelque chose qui soit franchement beaucoup plus apprécié des utilisateurs. Donc voilà un petit peu l'idée, voilà pourquoi je vous parle de la V2 aujourd'hui. Faire des pré-check-in avec les voyageurs pour mieux anticiper leur arrivée. Donc l'idée, c'est de bien préparer leur arrivée. Vous allez voir après ce que je vous la présenter, bien évidemment. Ensuite, on fait l'attribution automatique des missions à son personnel. Donc ça, c'est parce que moi, j'évolue. Aujourd'hui, typiquement, l'idée, c'est que ce soit plutôt eux qui choisissent les missions qu'ils veulent réaliser. Plutôt que ce soit vous qui disiez, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Vous les laissez libres, c'est eux qui choisissent finalement ce qu'ils veulent prendre ou pas prendre. Nous, pour vous dire ce qui se passe, plus maintenant, parce qu'on a un système d'alerte, un système d'alerte automatique dès qu'il y a une réservation qui tombe, mais nous, ils étaient en train d'actualiser la page en permanence pour prendre des missions. Tellement ils voulaient travailler, quoi. Hein, donc, ils actualisaient la page et nous, des fois, on s'amusait, on voyait la réservation qui tombait, on regardait, on chronomètre, on dit, d'après, au bout de combien de temps, et là, paf! Une minute, clac, la réservation était prise. Tu te dis, ils sont au taquet, quoi. Donc c'est vrai que là maintenant, ils ont un système d'alerte. Donc là, forcément, dès qu'ils sont alertes, ils choisissent la mission. Mais ça, c'est plutôt bien parce que vous, en fait, vous savez que vos réservations, même de dernière minute, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va prendre le ménage. Donc ça, pour vous, c'est hyper cool pour piloter sa société. C'est juste génial. On gère les incidents. Là, on est vraiment dans un principe d'amélioration continue. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, j'imagine que vous le savez aussi, c'est qu'en fait, un appartement que vous lancez, en gros, au bout d'un an, allez, 2 ans, il est lessivé, l'appartement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment remettre une couche de rénovation, d'amélioration. En plus, les attentes des clients, ils changent en permanence. Donc, c'est un marché qui est de plus en plus difficile parce qu'il se professionnalise énormément et que les attentes sont de plus en plus importantes. Les appartements sont mis à rude épreuve. Donc, il faut absolument être dans un processus d'amélioration continue de son appartement et donc déterminer, dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, il faut que vous ayez le retour d'information pour pouvoir mettre en place des actions. Parce qu'on a profité du pourcentage, ils ont dit. Pour moi, c'était un mauvais calcul, mais bon. Mais on s'est dit que c'était important quand même d'avoir cette gestion du stock en permanence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui le permet? Donc typiquement, on est capable de savoir... je vais vous présenter après, c'est assez évolué. Hein, même les développeurs... Alors c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc la V1, c'est moi qui l'avais codé. Mais la V2, c'est plus moi. Hein. J'ai pris des développeurs. Qui sont très calés et qui travaillent beaucoup mieux que moi d'ailleurs, qui sont meilleurs que moi, et c'est tant mieux. Et qui du coup font un travail remarquable aujourd'hui. Et eux, c'est ce qu'ils me disaient, Sébastien, ce que tu nous demandes en exigence sur le stock, ils me disent c'est limite une application dans l'application, parce que c'est très poussé. Parce que le stock, on pense que c'est plus 1, moins 1, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que nous, dans la conciergerie, on a une notion de drap propre, de drap sale. On a une notion aussi de qui possède les consommables et les draps. Parce que j'ai des personnes, par exemple, aujourd'hui, qui ont des camionnettes. Alors, pas dans ma société, mais on l'a reporté, personnes qui ont des camionnettes et qui partent, par exemple, toute la semaine avec du stock. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le lieu, ils emmènent le stock, ils vont le ramener. Donc, en fait, il y a plein de configurations. Je me suis dit, comment on peut faire un outil qui prend toutes les configurations un peu de tout le monde?
Parce que je ne pouvais pas faire que sur moi ma façon de travailler. Parce que chacun a une façon de travailler différente sur la gestion. Si jamais les Indiens nous butent, si jamais ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas d'or, je fais comment? Il a dit non, mais si on brûle les bateaux, il y aura de l'or. Il y aura de quoi faire son pognon et on va tous y aller. Et franchement, quand tu pars dans cet état d'esprit-là, tu te dis dans tous les cas, je n'ai pas le droit de ne pas réussir. Et franchement, tu vas beaucoup mieux hein, après. Hein, tu vas vraiment avec la faim au ventre et quand tu as faim, bah, tu trouves des solutions bizarrement. Je vais rajouter une petite chose. Effectivement, on retrouve le même concept, si je ne dis pas de bêtises, dans le film 3. Vous ne pourrez presque pas le faire parce que quelque part, vous avez converti votre propriétaire grâce à ça, grâce à votre prix. Donc si l'année prochaine, vous lui dites bah, « Finalement, j'ai ma TVA qui est tombée, ça ne va pas le faire. » Bon, bah là, vous êtes mort. Déjà, vous ne passez pas par quelqu'un de professionnel parce que votre TVA, vous êtes censé l'avoir anticipé. Et en plus, franchement, votre TVA, il s'en tape le coquillard. Donc, donc voilà. Donc du coup, faites le bon prix, n'ayez pas peur. Que vous soyez à 25 ou à 30 %, ce n'est pas le problème. Le problème, il réside sur les autres piliers dont on vient de parler et c'est à vous de travailler là-dessus. Si vous êtes cohérent sur votre marque, sur la manière dont vous allez travailler votre marque, votre branding, la manière dont vous allez travailler votre site internet, la manière dont vous êtes en interaction avec vos propriétaires, si tout est cohérent et que vous êtes aligné, ça va fonctionner. S'il y a une incohérence, c'est là où souvent le client ne signera pas. C'est juste ça en fait, c'est une question de cohérence et d'être aligné avec ce qu'on propose. Souvent, si vous avez un retour client, on dit souvent un retour client, c'est en fait 10 retours clients qui ne vous sont pas arrivés aux oreilles. Moi, très honnêtement, j'ai des biens type T2, T3, T4 qui sont très classiques et j'ai des logements très prestigieux. Je trouve pas que dans la manière de gérer, ça change énormément de choses. Tu sais pourquoi ? Ton ménage, il doit être nickel, quoi qu'il advienne, tout doit être nickel. La seule chose qui va changer, c'est qu'il va falloir que t'aies... Allez, je me situe en compagnie de Lorenzo, donc on est aujourd'hui eh bien, à un séminaire sur Marseille. Et Lorenzo, j'ai vraiment décidé de l'interviewer tout simplement parce qu'il a des résultats juste exceptionnels. Donc Lorenzo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de quelle ville tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui précisément ? Merci Sébastien. Donc Lorenzo, moi je suis de Paris. Donc Paris, je développe. Un montage sur la région Paris-Est, donc autour de Marne-la-Vallée. Ouais. Moi, je suis un ancien ingénieur d'affaires. Donc, je développais l'activité en parallèle du boulot et je suis passé à temps plein depuis dans le développement de la société de conciergerie et sous-location. Ouais. D'accord. Donc, du coup, c'est une société de conciergerie et également de sous-location. D'accord. Et c'est, on peut peut-être dire la ville, enfin, ou c'est sur plusieurs villes, peut-être ? Paris-Est. Paris-Est. D'accord. Et tu as combien d'appartements aujourd'hui ? 21. 21. Donc, 21 qui sont répartis entre la sous-location et la conciergerie. Ouais. Et toi, tu as commencé quand, cette activité ? L'activité, je l'ai démarrée il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans déjà. Donc en parallèle de mon job d'ingénieur d'affaires. Aujourd'hui, 3 bilans déjà. Ah ouais. Donc on a de quoi voir venir les résultats. Oui. Et donc toi, tu as pris la décision d'arrêter ta carrière en fait, de ce que tu faisais auparavant, de salarié, parce qu'en fait, tu t'es dit, c'est bon, l'activité, je veux vraiment la faire, la vivre à 100%. C'est comme ça que c'est passé ou... où tu as lancé cette activité en disant bon ça fera un complément, c'est quoi derrière l'objectif quand tu as lancé cette activité? Alors quand je l'ai lancé, l'objectif c'était d'avoir un pied dans l'investissement immobilier. D'accord. Hein, parce que j'avais déjà l'intention d'investir, mais le temps de réunir une condition, un bon profil financier, voilà, je voulais pas rester passif et attendre. Le coût d'entrée pour démarrer l'activité étant relativement faible, je me suis dit en attendant d'être prêt,
je me mets dedans, je me lance, j'acquiers de l'expérience terrain sur la location courte durée et après je capitalise sur mes propres biens quand j'ai la situation. D'accord. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai démarré l'activité. Et ce qui fait que je suis passé à temps plein, c'est plutôt une opportunité que j'ai saisie, une situation professionnelle. Enfin, j'ai eu l'occasion de négocier une rupture conventionnelle. D'accord. Et j'en ai profité pour réinvestir ce temps dans la société, finalement. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Et du coup, tu as des... Alors toi déjà, tu as rejoint la formation quand précisément ? La formation, je l'ai rejointe il y a 2 ans, ouais. Enfin, il y a pratiquement 2 ans, sur une recommandation d'ailleurs. Ah ouais, ouais. D'accord. Sur une recommandation d'Audrey. D'accord, ok. D'Audrey, que je rencontrais assez souvent lors d'ateliers. D'accord, ok. Et qui m'a parlé de la formation. D'accord, ok, ouais. C'est cool ça. Ok, bah tu vois, je ne savais pas, donc tu vois, cette interview nous permet effectivement de découvrir ça. Toi, tu as des objectifs là sur 2024, 2025, comment tu vois l'évolution de tout ça? Alors, sur cette année 2024, on va déjà faire en sorte de bien finir l'année, de rester sur les objectifs qu'on s'est fixés, maîtriser les coûts, hein, on va se focaliser sur de la trésorerie pour pouvoir capitaliser sur des projets en 2025, parce que l'idée, c'est d'investir. Ouais. C'est-à-dire qu'on entreprend quand même pour réaliser des bien objectifs sûr, sûr. Personnels, hein, l'entreprise, la manière dont du je le vois. Voilà, du patrimoine. Du patrimoine. L'entreprise me sert de levier pour aller atteindre bien des objectifs sûr. Personnels. Quoi. Donc en 3 ans d'activité, il y a de quoi maintenant commencer à réfléchir, ok. Sur quoi est-ce que je vais investir les résultats que j'ai réussi bien sûr. À obtenir. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire tous les bénéfices qui ont été générés, finalement, vont me permettre de faire un effet de levier, si je peux dire ça comme ça, sur de l'investissement IMO, pour constituer un patrimoine important. Quoi. Ouais. Ouais, c'est cool. Une dernière petite question, Lorenzo. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation? Est-ce que ça t'a été bénéfique? Est-ce que ça a été un accélérateur? Est-ce que ça a confirmé ce que tu savais déjà? Comment tu as ressenti cette formation? Alors, clairement, ça a été un accélérateur. Comme je le disais, la formation m'a été recommandée par Audrey parce qu'elle savait ce que je recherchais pour débloquer des situations. Il y a pas mal d'éléments différenciateurs que j'ai trouvé dans la formation. C'est très concret, très pratico-pratique sur le terrain. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je sais où je vais. Ouais. Et pendant que je suis en train d'exécuter et implémenter sur le terrain, je ne veux pas devoir réfléchir sur de la théorie et autres. Et c'est un peu ça que j'ai retrouvé dans la formation conciergerie et sous-location. Ouais. Okay. Et ces petits moments là d'événements là où on se retrouve, qu'est-ce que tu viens chercher ici? dans ce genre d'événement, je me dis toujours. Il y a peut-être une pépite, Non, non. Je me dis toujours, ce que tu ne sais pas te coûte, et ce que tu sais t'apporte. Et ces informations-là, dans ce type d'événement, on va rencontrer des personnes qui sont à des stades de développement différents, que ce soit débutant ou très avancé, on apprend dans tous les cas. Et c'est en allant au contact de ces personnes que je vais me confronter à avoir des informations qui vont me permettre de passer des étapes. En fait. C'est aller chercher une perspective différente sur un même problème, comment telle personne a résolu tel problème que je traverse actuellement. Le cerveau collectif, quoi. Ouais, c'est-à-dire sûr. Qu'à plusieurs cerveaux ensemble, on débloque beaucoup bien plus sûr. Rapidement les choses. Et aujourd'hui, clairement, je suis arrivé avec ma checklist. Il me reste que deux points majeurs. Ah, c'est vrai, ouais. Excellent, génial, excellent. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Lorenzo. Et puis, bon séminaire, on y retourne. Merci Sébastien. Et parce que mes revenus meublés restent inférieurs à mes revenus d'activité professionnelle, et j'y échappe aussi. Parce que bien que je fasse plus de 23 000, c'est des revenus meublés longue durée à l'année. Et du coup, est-ce que c'est pas un abus de droit de louer mes propres biens à ma société? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non, pas du tout. C'est pas un abus de droit.
vous pouvez parfaitement faire ça. Alors, la question subsidiaire... On va démarrer comme ça. La facturation, bah, tu peux très bien faire du Zoho Invoice, comme je disais, ça te coûte zéro. Et puis après, l'usage de facturation, tu demandes à ton expert comptable, lui, logiciel comptable, ce que lui, il utilise et ce qu'il te recommande éventuellement. Donc non, Pikesuki n'a pas besoin, au départ. Enfin, t'en as pas besoin, clairement. Tu peux très bien démarrer comme ça et te faire la main avec un, deux, trois appartements comme ça. Mais tu vas vite te rendre compte que... Il te manque des outils pour que ça soit plus fluide, tout ça. Ah, si tu veux faire les choses bien, oui, c'est mieux de mettre en place ces différentes applications dès le départ. Et si en plus, tu as des gens qui bossent avec toi, bah oui, c'est mieux. Parce qu'ils sont formés, ils ont le processus pour rentrer un appartement, on va faire ça comme ça. Allez, je me situe eh bien, dans ma chambre d'hôtel. L'événement vient de se terminer, 18h30. Donc là, je suis venu pour me changer. Là, on va partir. Eh bien, on va prendre tout simplement, on a réservé eh bien, un endroit pour dîner. Donc avec tout simplement les personnes qui aujourd'hui ont participé à ce séminaire. Et puis ensuite, eh bien, on va prolonger bien évidemment la soirée. Donc c'était un excellent moment. On a eu Elodie, on a eu aussi donc Dimitri Boujard qui nous a fait une belle présentation sur eh bien, l'actualité juridique par rapport à nos activités. Et puis on a terminé cette journée par un hot seat. Donc tout simplement, bah, les personnes qui font partie de la formation, qui ont des difficultés aujourd'hui ou qui ont des blocages, eh bien, l'idée c'est de les lever. Et donc ils sont passés un par un et en nous exprimant eh bien, leurs questions, leurs problématiques, comment on pouvait les aider. Et l'idée c'est de profiter justement du réseau et du cerveau collectif qui était présent aujourd'hui pour aider à justement trouver des solutions. Donc beaucoup de personnes ont eu des réponses sur leurs problématiques et ça c'est vraiment la force eh bien, du cerveau collectif quand on est en groupe, eh bien, tout simplement de mutualiser les différentes réponses qui sont apportées. Et comme ça c'est vrai qu'on repart avec plein d'idées. Donc je suis très content parce que certaines personnes justement se posaient pas mal de questions sur dans quelle ville je peux lancer mes sous-locations, comment je peux scaler mon business, est-ce que c'est important d'utiliser tel ou tel outil, quel kit de démarrage il faudrait pour lancer sa société. Bref, des questions qu'ils avaient auxquelles on a pu répondre grâce au cerveau collectif. On se retrouve aujourd'hui à Cassis, il est dimanche. Hier soir, on a un petit peu festoyé sur Marseille avec toute l'équipe des sous-loueurs. Donc c'était un excellent moment. Aujourd'hui, donc sur Cassis, histoire de profiter de cette belle journée. Il fait super beau, c'est super cool. Et puis ensuite, après, eh bien, on va enchaîner et on va filer sur Dijon. Puisque d'un matin, intervention pour un séminaire d'une conciergerie qui est en franchise. Et ils ont un meeting annuel qui est donc sur Dijon. Donc on va les retrouver demain matin. Donc là, on va profiter un petit peu aujourd'hui de cette formidable journée parce qu'il fait vraiment super beau. Et j'adore cette région, une région juste exceptionnelle, super belle. Et on va justement découvrir tout ça cet après-midi. On arrive sur Dijon, le temps ça n'a absolument rien à voir, il fait 17 degrés. On a quitté Marseille, il devait faire 27 sur la route et on est monté jusqu'à 32 degrés. Donc là, puis il pleut, donc c'est vraiment pas le même temps. J'ai vraiment l'impression de retrouver le temps du Mans. Donc là on arrive, on va se poser, il est 22h quasiment et puis on va se coucher pour faire une bonne journée demain.
Donc aujourd'hui, moi, je fais de la sous-location, je fais de l'investissement IMO, j'ai également donc de la conciergerie sur ma ville et je suis formateur en création d'entreprise. Et on a lancé il y a un an une application qui s'appelle Guest Lucky pour justement aider les conciergeries à mieux piloter leur entreprise et mieux piloter l'opérationnel. C'était le début, donc c'était il y a de ça, il y a 9 ans, 9-10 ans, c'était le début, on va dire, de l'Airbnb un petit peu là-bas en Thaïlande. C'était vraiment, il y avait déjà des choses et tout, mais c'était pas hyper développé. Et notamment, moi, ce que je m'étais dit, bah, en fait, il n'y a pas de société vraiment pour accompagner des gens. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, j'avais un appartement à l'époque là-bas que je louais. Et vu que je rentrais en France, je me suis dit comment je peux faire pour amortir. On se retrouve eh bien, en direction du Mans, puisqu'on vient de quitter Dijon à l'instant. Donc ce matin, donc ça a été une matinée séminaire avec B&B Conciergerie, qui est une franchise de conciergerie. Ils ont à peu près une trentaine de franchisés. Ils sont en train de se développer même à l'international. Et ce matin, on a abordé et j'ai développé le sujet qui est de piloter son entreprise à distance. Donc soit déjà pour passer du temps éventuellement sur une autre ville, mais ça peut être aussi d'exploiter directement à distance. Puis c'est aussi une manière de répondre à quand par exemple vous souhaitez prendre des vacances ou vous souhaitez lever le pied. Bah, c'est comment faire en sorte que son entreprise puisse fonctionner à distance sans qu'on soit et qu'on ait besoin d'être nécessairement présent physiquement dans la ville en question. Donc ce matin, j'ai fait aussi une présentation de mon parcours en tant qu'entrepreneur et quand j'ai créé ma première conciergerie donc, en Asie. Et puis ce matin, effectivement, j'ai donné toutes les solutions et tous les tips et toute la méthodologie pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir piloter son entreprise à distance. Voilà, donc le week-end est terminé. Ça a été 5 jours qui ont été très intensifs. Hier, on a profité, on a été à Cassis, on a bien profité, on est arrivé très tard hier soir. Et là, du coup, c'est retour sur le Mans. Donc, il y aura un petit temps aussi de récupération, très sincèrement, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de route. Et ça a été très intense, aussi bien la journée que le soir. Mais c'est quand même super appréciable et je voulais vraiment remercier tous les membres de ma communauté qui sont venus à ce séminaire. Pour moi, c'est vraiment important que vous soyez présents parce que c'est un moment où on se voit et on peut aborder pas mal de sujets qu'on n'aborde pas forcément en séance de coaching ou qu'on n'aborde pas forcément en formation. Et puis, je voulais remercier B&B Conciergerie, bien évidemment, pour m'avoir laissé intervenir justement dans leur séminaire annuel puisqu'ils réalisent 2 fois par an. Et ça m'a permis de justement venir sur des sujets peut-être qui ne sont pas forcément toujours bien compris ou ça m'a permis aussi de lever quelques problématiques. Je vois ce matin, j'avais une personne qui m'expliquait qu'elle avait des problématiques parce qu'elle passait beaucoup trop de temps, par exemple, un truc tout bête, mais à gérer les consommables, donc gérer tout ce qui était réapprovisionnement, etc. La méthodologie n'était pas bonne, elle perdait énormément de temps avec ça. Et justement, ça fait partie du processus qu'aujourd'hui, votre temps doit être hyper optimisé et surtout, il doit être vraiment concentré là où vous apportez réellement de la valeur. Gérer des consommables pour sa conciergerie, il faut le faire bien évidemment, mais vous apportez aucune valeur à faire ça. Donc, elle était mal organisée par rapport à ça. On a vu justement cette problématique-là. On a vu aussi pour ceux qui, par exemple, aujourd'hui, étaient en train de se lancer, n'avaient pas beaucoup d'appartements et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent « Ouais, mais la délégation, ça a un prix. Tout ce que tu nous dis là, ça a quand même un coût. » Donc oui, bien évidemment, mais on le fait aussi étape par étape. Bien évidemment que quand vous n'avez que 3, 4, 5 appartements ou même 10, ça va être compliqué de se dire « Je vais piloter tout ça à distance. » Alors, je parle en conciergerie bien évidemment puisqu'en sous-location, vu que la marge est supérieure, on a plus de possibilités justement d'investir dans la délégation. Mais en conciergerie, il faut un minimum d'appartements pour effectivement que tout ça puisse fonctionner et que vous puissiez surtout le piloter eh bien, à distance, à l'étranger ou dans une autre ville. Et puis aussi cette méthodologie, c'est un moyen éventuellement de vous lancer dans d'autres villes sans être présent physiquement dans la ville en question. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vraiment en profiter pour remercier B&B Conciergerie chez qui j'étais donc ce matin, qui m'ont invité bien évidemment. Mais je veux aussi remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour cet événement. Alors, je veux aussi penser
eh bien, à tous les sous-loueurs hein, qui sont venus, qui se sont déplacés sur Marseille, dont certains qu'on parcouru toute la France puisqu'ils sont venus du nord jusque dans le sud. Donc, merci bien évidemment. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont participé à cet événement. Donc, je pense à Elodie, je pense à Dimitri. Et puis je pense aussi à ceux qui sont proches au quotidien à côté de moi. Donc je pense à Caroline, je pense à Pierre, je pense à Camille qui sont juste derrière et qui ont participé à cet événement. Je pense aussi à ma petite femme qui est juste derrière en train de tenir la caméra puisque mine de rien elle participe aussi à ce que tout ça puisse bien se dérouler. C'était un bel event. Je pense peut-être que j'ai oublié d'autres personnes. Donc, désolé si je vous ai malheureusement oublié, mais je pense que j'ai fait globalement le tour. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous propose aussi de la partager, bien évidemment, de la commenter hein, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse. Et puis, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.